Les gars, je suis malade, ça. Je suis vraiment trop vulnérable quand je suis malade. Et le pire, quand t'es malade, tu repenses à des trucs bêtes. Tu te dis, ouais, il y a 2 jours, j'étais bien. Et t'essayes de te remémorer quand t'étais bien. En mode, tu vas mourir dans 2 jours. Alors que non, t'es juste malade, t'as une grippe. Et moi, je suis en mode, putain, j'aurais dû savourer la vie. En mode, je suis Breaking Bad ou quoi, j'ai un cancer. Non, je suis tranquille. Il y a un truc, c'est que nous, les hommes, on est plus susceptibles. J'ai l'impression que les femmes, on est faibles quand on est malade. Ah, moi, j'en fais tout un plat à moi. Ma copine, elle est venue, elle m'a dit, ouais, ça va. J'étais là en mode. Alors qu'en vrai, j'ai une angine, mais tu vois, genre, je sentais le mal en moi. Et elle a une angine aussi, et elle va très bien, et ça me fout la haine. Mais Kader, je ne comprends pas pourquoi tu es mal. Enfin, moi, je vais très bien, c'est une simple. Blah, moi, je suis là, je vomis, je dégueule. Tu sais pas ce que c'est. J'ai peut-être une angine différente que toi, c'est tout. Une angine qui fait plus mal aux hommes virils, plus t'es viril, plus ça te fait mal, je sais pas, réfléchir. Qui t'a dit qu'on a la même angine? Toi, t'as peut-être une angine de femme, je sais pas, de femme, oui, de femme. Parce que je peux te dire que nous, les angines d'hommes, ça fait mal, ça pique la gorge, et je me sens mal, je sens la lumière arriver au bout du tube. Hey, hey. Non, vas-y, tu peux filmer. Alors, les deux. Ouais. On pense qu'en mangeant ça, mais en fait, elles se moquent d'elles-mêmes parce qu'elles font genre par rapport à la classe, genre elles se surveillent. Mais dès qu'elles sont en cachette, elles descendent de la maison, elles laissent tomber. D'accord. Et ça, c'est le genre de mec, quand elles sont avec un mec, elles n'ont jamais faim. Et on ne sait pas comment elles sont grosses. Les bâtards. Après toi, y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, l'amour, dis-moi que tu Il y a 3-1 pour Marseille, ok? Moi je filme là et toi tu les snaps ici. Vas-y, comme ça il y a 2 angles. Ok, et merci la zone. Pourquoi il crie? Mais tu es en train de chanter, mon frère! Je te rappelle, sors! Il se passe quoi? Il meurt, en plus, il meurt, il chante dans la salle de bain, mon frère! Je sais pas, ils ont quoi? Regardez, il chante dans la salle de bain! Voilà, ça fait 15 minutes j'attends, frère! Ah, c'est la douche, on doit partager, frère, t'es bizarre! Moi, je sens qu'elle fousse, frère! Non, frère, c'est snap, la douche! Snap. Ah, tu veux le mettre dehors? Après, s'il te plaît, dès que je vais le faire sortir, tu me donnes son shampoing! Eh, voilà, ça fait 1 heure qu'il attend dans la douche! Arrête, douche-toi. Ça, vous allez bien? Hier, je suis allé en boîte, je suis sorti déboîté. La vérité, c'est n'importe quoi. Je rentre avec 1000 euros, je suis sorti avec moins 2 milliards d'euros. Et je suis allé voir la serveuse. Bonjour madame, 2 jus de pomme, s'il vous plaît. Elle m'a dit 12 balles. J'ai dit, quoi? J'ai pas demandé un Mac, une autruche, j'ai demandé un jus de pomme. J'ai rien, même pas une dédicace de Cristiano, rien du tout. Elle me sert le jus de pomme, elle me sert un jus de glaçon. La vérité, il y avait que des glaçons. Elle me sert le jus de pomme, elle me sourit. Non, sourit pas, parce que j'ai bu en 2 gorgées. Ça veut dire c'est 1 gorgée 3 euros, l'autre gorgée 3 euros. C'est n'importe quoi. Après, je rentre dans la boîte, franchement, la yard, super, super ambiance, super cool. Je rentre, j'avais une veste, on me dit, ouais, va la poser dans les vestiaires. 2 euros, je dis pardon, je dis moi je garde ma veste, je vais pas faire un soccer, la vérité, je vais pas faire un tennis, je garde ma veste, j'ai pas envie de claquer 2 euros, moi je suis une crapule dans les trucs comme ça, je suis rentré avec ma meuf, je suis sorti, bah ma meuf elle est en couple avec quelqu'un, tellement ça frotte, ça va vite, je suis là, je lui tiens la main, bah en fait c'était une autre main que je tenais, c'est n'importe quoi, ça colle, ça verse de l'alcool, je suis rentré, j'étais agent, je suis sorti, j'étais alcoolique, la vérité, il y a trop d'alcool qui touche mes vêtements, ça me contamine, c'est n'importe quoi les boîtes. Guéri la grande borne, un cœur sur l'épaule, 3 cadavres au sol, quartier ma bolle. Face à l'horreur, nous sommes des tueurs, général de guerre et casquette à l'envers. Les becs en l'air, les bras de faisaient des guerres, tu gazes, on te monte en l'air pour des billets verts. Je suis un braqueur, love le procureur, love le procureur, love le procureur. Bien joué, monsieur dame. Je sais pas t'es qui, en fait...
Il est pas mal celui-là, d'accord. Il est passé sur toutes les bouches de Paris, ok. Patinant en fait. Alors donc on a assez fort. T'as dit dans la vie. Qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Je te présente rien du tout. T'es qui? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un spray. Il pue sa mère son spray. Bonjour madame. Deux petites secondes s'il vous plaît. Du fond de ça orange. Super. Bonjour, du fond de teint orange s'il vous plaît. Bah, je pense qu'en clownerie, peut-être vous avez trouvé ça. Sûrement. Qu'est-ce que t'insinues là? Bah nous on n'en fait pas. Qu'est-ce que t'insinues là? Qu'ils en font pas. Hello. On peut nous voir, c'est au moins. Hop là. Là je pense qu'ils vont pas nous voir, c'est obligé. Si on nous voit, c'est vraiment trop très fort. Après, il y a un truc qui m'énerve, c'est les personnes, quand vous mangez des pizzas, vous laissez la croûte. Vous mourrez, voilà, mourrez. Vous faites une association, lutte contre les chauves-souris, un truc qui vous est dans votre délire. Parce que c'est pas normal, c'est pas humain. Ça veut dire que tu commandes des pizzas, des dernières des pizzas, 11 balles, tu manges, tu t'arrêtes à la croûte. Et tu fais quoi, toi? Vous, vous mariez sans la bague. Ça veut dire que vous demandez en mariage votre femme, elle ou la bague? Ah, j'ai pas. Bah, c'est pareil. Commande une pizza, mange-la. Après, tu vas nous dire, ouais, mais la croûte, elle est un peu cramée. C'est ton cœur qui est cramé. La vérité, c'est ton âme qui est cramée. Ou commandez des pizzas sans croûte. Ça veut dire que vous dites bonjour, pizza sans. Ça vous économise de l'argent. C'est un paquet de cigarettes, les croûtes. C'est trop cher, c'est au moins 6 balles. La croûte, c'est ça qui fait la pizza, c'est pas une pizza que tu manges, c'est une pie. C'est ouais, c'est du pie, c'est vraiment le milieu, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est où? Qui t'a coiffé? Bon allez, y va? Ouais, vas-y. Oh mon dieu, attends. Voilà. Tout ça qui va partir en fumée. Alors on va compter. T'as vu? Quand elle en met, partout. Quand elle a pas envie. Bébé, j'ai mes règles. Ça fait 3 semaines que t'as tes règles. Ça coule de source. Quand elle veut faire un selfie. Viens, on fait un selfie pour Insta. Oh merde, c'est pas mon profil. On échange. Non, attends, je vais me remettre parce que la lumière elle est mauvaise. Quand elle perd ses cheveux. Quand elle veut faire un selfie, la suite. Mais souris toi. Mais tu te fous de ma gueule là. Souris bien ou. Casse les couilles. Non mais s'il te plaît. Ah bah là c'est mieux. Quand elle a été chez le coiffeur. T'as rien remarqué? Je sais pas, t'as acheté un nouveau pull. T'as peut-être pris un peu... Non. Ah mais tu fais chier. J'ai le coiffeur, je me suis coupé les pointes. Tu m'énerves parce que je sais que quoi. Tu fais ce coup-là et je paye une fortune. Et toi tu me fais quoi? Et chaque fois tu remarques pas et ça m'énerve. Ça m'énerve putain. Quand tu dors avec elle. Ah, t'as les pieds froids. Reste tes pieds là. Ah, ils sont gelés. Ah, toute la place. Quand elle se prend pour ta mère. Mais qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mais t'as pris le torchon des mains, fallait prendre le torchon de la vaisselle. Quand il y en a que pour elle. Quand elle se met du vernis. Bébé, tu peux me passer le stylo qui est juste à côté de toi, s'il te plaît? T'es relou, j'ai mon vernis qui sèche.
Bon allez, passe sur moi. Allez, bisous les gens. Et vous inquiétez pas les filles, on vous aime quand même. Mouah. Bébé, elles sont où les clés de bagnole? Regarde dans mon sac. Pas dans ton sac. Non mais dans l'autre sac. Eh, t'as déjà vu une licorne énervée? Mais c'est pas vrai, mais t'es vraiment très gros. Frérot, j'ai rencard avec une meuf de Tinder, une bombe atomique, une brune ténébreuse. Fais quoi là? J'ai rencard au McDo, je t'arrive, je te rappelle tout à l'heure.